Waouh! Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner gratuitement et soyez prêts, ça va être chaud. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment le diable et ses démons sont dans la vie des gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Que Dieu nous aide à expliquer très bien ce genre de phénomène. Parce que lui seul sait concrètement ce qui se passe. De la manière, nous devons laisser Dieu habiter en nous, parce que notre corps est son temple. C'est de la même façon, le diable aimerait bien entrer en nous et dominer notre vie, bien nous contrôler, parce qu'il aime bien ça. Nous ne devons pas le laisser faire. Nous ne devons pas le laisser faire. Et pour ne pas le laisser faire, il faut découvrir comment il arrive à entrer dans la vie des gens sans que les gens même ne le sachent. Un truc hors du commun. Vous allez me croire. Écoutez-moi bien. Déjà, pour commencer, vous devez savoir que le péché est l'élément par excellence par lequel le diable entre dans la vie des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un transporte un péché, c'est-à-dire que cette personne-là transportera en même temps le diable. Parce que le péché, c'est même lui. Le péché est égal au diable même. Que Dieu nous aide à ne plus pécher. Parce que le péché, c'est le diable. Ah! Le diable dit que le péché, c'est lui le père du péché. En plus, il est le père du mensonge. Nous devons le croire. Et quand quelqu'un pêche, il ne faudrait pas qu'il pense qu'il est même seul de cette action. Le diable et ses démons ont fait un travail pour que le résultat, le fruit de leur travail, là, ce soit le péché. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, quand une personne se rentre de péché, on va dire quoi? Que c'est le diable qui l'a possédé, qui l'a contrôlé, qui l'a influencé jusqu'à l'amener à pécher. C'est comme ça se passe. Une fois que vous avez compris ça, c'est fini. Vous savez maintenant comment le diable et ses démons sont dans la vie des gens. Tranquillement, tranquillement. Est-ce que vous avez compris? Le péché, c'est la clé qui ouvre la porte au diable dans la maison des gens. C'est ça. C'est pourquoi tous les jours de notre vie, nous devons prier. Nous devons prier. Que Dieu nous aide à ne plus pécher, ne plus tomber pendant des péchés, ce n'est il. Ne plus faire des choses pour même mettre notre vie en danger. Et nous venons de découvrir récemment que le diable a créé des stratégies hors du commun pour pouvoir avoir les gens. Comment ça? On nous a dit que c'est au travers de leur téléphone. Les réseaux sociaux, Dieu sait ce qui se passe là-bas. Regardez comment les filles, là, elles se tirent des photos bizarres. Les garçons sont dans les problèmes. Quand ils regardent les filles, là, elles sont même traumatisées dans la maison là-bas. Dieu sait ce qui se passe. Même certains même vont faire ce qu'on appelle la masturbation après avoir regardé de telles filles. Parce que ces gens-là, ces personnes-là ont été touchées par le démon qui contrôlait même le portable ou même qui se trouve même sur les réseaux sociaux. Donc ce que nous voyons sur Instagram par exemple, comme les filles qui font du fitness là, de la manière elles s'habillent de façon hors du commun, de façon sexy. Vous voyez, quand vous regardez juste l'image et vous commencez à vous faire des trucs, vous imaginez des trucs bizarres dans la tête, automatiquement le Seigneur Jésus-Christ lui-même il dit que vous êtes en train de pécher. Et comme le péché, ça appartient au diable, il entre directement en vous et les démons, ses collègues font le reste. Il faut le reste. C'est pourquoi quand les gens pêchent après avoir vu des trucs pareils, ils s'aiment toujours dire, oh non, c'est pas moi. C'est le diable. C'est le diable. Ils aiment accuser le diable parce que c'est même lui qui est derrière tout ça. C'est parce que c'est un mauvais type. C'est un mauvais type. Le diable, c'est vraiment un faux gars. Il faut s'en méfier. Est-ce que vous le voyez ici? Vous ne le voyez pas. Mais d'abord, tête, tout se passe là. Regardez un peu. Quand les gens doivent tromper leur femme, vous pensez que c'est même facile de tromper sa femme? C'est pas facile.
Il y a eu un processus. Beaucoup de choses sont passées avant que cela arrive. Et c'était le diable qui était derrière tout ça. Vous devez croire. Il y a la télévision. La télévision aujourd'hui est devenue un moyen spécial que le diable utilise pour pouvoir entrer dans la vie des gens. Là-bas même, il s'est dit, il dit, oh, c'est chez moi. Je peux faire de ça ce que j'ai envie de faire. Faites attention. Par rapport à la télévision, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. C'est ainsi, les gens créent des films. Toutes sortes de films bizarres. Des films où les gens doivent forcément s'embrasser du temps. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe-t-il? La maman peut être assise avec son enfant sur le fauteuil en train de regarder la télévision. Lorsqu'une image de ce type va défiler sur l'écran. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que toi, tes parents t'ont déjà dit ça. Ah! À ce moment-là, vous voyez les parents. Ils attrapent les yeux de l'enfant maintenant. Ils disent, faut peut-être, faut pas regarder ça. Faut pas regarder ça parce qu'il y a deux personnes qui sont en train de s'embrasser. Pourquoi les parents ne veulent pas que les enfants la regardent ça maintenant? Bonne question. Posez-vous des vraies questions souvent. Pourquoi les parents ne veulent-ils pas que les enfants regardent cette scène bizarre? Dites-le moi. Nous sommes en famille, on se donne les vrais conseils, non? Les parents ne veulent pas que les enfants regardent de telles scènes parce que pour eux, ce sont des scènes qui ne sont pas adaptées aux enfants d'abord. Voilà. Ce sont des scènes qui ne sont pas faites pour les enfants, pour leur âge. Normalement, ils ne sont pas censés voir les trucs pareils. Et c'est même vrai. Et deuxièmement, c'est pour ne pas que des images que les enfants ont regardées là se développent en eux au point de gâcher leur vie, détruire leur vie inutilement. Parce que les enfants sont curieux. Et ils veulent voir, et voir, et voir, et découvrir ce qui se passe concrètement. Quand les gens s'embrassent, ils veulent voir, ils veulent savoir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un goût? Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est comment en fait? En fait, c'est comment? C'est comment? Comment c'est? Eux, c'est ce qu'ils veulent voir, ils veulent savoir. Donc, ça pousse la curiosité des enfants à un niveau très, très élevé. Maintenant, si la maman n'est pas là, et puis l'enfant regarde ça comme ça, ça veut dire que là, il n'y a pas de surveillant pour surveiller sa conscience, surveiller son esprit, surveiller ce qu'il est en train de voir. En ce moment-là, comme il n'y a pas de surveillant, le diable et ses démons vont profiter de cela pour parler à l'esprit de l'enfant. D'abord, entrer même en lui au travers de sa pensée et commencer à parler. Vont lui dire, écoute, maman n'est pas là, papa n'est pas là. Ce que tu viens de voir là, tu ne l'as pas vu pour rien, c'est pas ça. Est-ce que tu sais ce qu'on trouve dans ça? Est-ce que tu connais un peu le goût de ça? Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe? À ce moment-là, les démons ont commencé à parler comme ça. L'enfant a vu l'image. C'est comme vous avez regardé l'image, vous avez vu l'image, la scène pornographique qui s'est déroulée dans le film. Cette chose à caractère sexuel que vous avez vue là. À partir de là déjà, le diable est entré dans votre vie. Parce que tout, c'est-à-dire, à chaque fois que vous allez regarder la télévision et que vous allez tomber sur les images sensuelles ou bien des scènes X dans le film, à chaque fois que vous allez tomber là-dessus, ou même vous allez regarder ça, au même moment là, le démon, même toi, va entrer. Et le démon qui est chargé de développer les activités, c'est-à-dire le démon qui se charge des activités, des trucs à caractère sexuel. C'est un groupe, c'est une catégorie de démons. Donc, ce démon là, il va profiter de cette belle opportunité pour entrer en vous et continuer son job, continuer son travail. Et c'est exactement ce qu'il fera. Ça veut dire que dès que vous regardez un film, à mettre à préparer vous, les choses sont même claires aujourd'hui. Les choses sont vraiment très claires. Pourquoi y a-t-il pas de film sans
scène X sans images bizarres. C'est tout simplement parce que ceux qui font les films aujourd'hui, eux, ils consacrent leurs œuvres au diable. Et la meilleure façon de bien consacrer les œuvres au diable, ou bien de bien adorer le diable, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui vont regarder le film pêchent. Et c'est le péché des yeux et le péché de la pensée qui doit être créé. Au travers de quoi? Au travers des scènes pornographiques qui vont consciemment placer dans le film. Si c'est un clip, dans le clip. Si c'est une musique, les cris essentiels que vous allez voir dans le dans la chanson là, voilà. C'est pas fait au hasard. C'est une manière pour vous d'adorer le diable. Personne ne va venir vous dire que lui l'adorateur du diable est sorti. Mais il y aura des œuvres pour vous montrer qu'il y a une chose qui se passe. Vous devez me croire. Ça veut dire qu'en ce moment là, vous, quand vous regardez ça là, ne regardez plus cela comme si vous êtes atterri de rigoler. Le diable cherche à entrer dans votre vie. Juste au travers de ce que vous êtes en train de regarder à la télé. Ça veut dire que ça devient facile, non? J'ai regardé même hier un film. En fait, j'étais pas concentré sur le film. Hein. Je faisais tout et rien, quoi. Je faisais des recherches. Et voici que je vais tomber sur un film. Dans ce film, là, on voit un homme méchant qui cherche à faire du mal à une femme. À un moment donné, la femme, elle sera tellement fâchée, elle va prendre une hache et lui fendre la tête. Quand il a vu cette image, automatiquement, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas regarder un truc pareil. Je ne peux pas continuer à regarder un truc pareil. Pourquoi? C'est parce que c'est chaud. C'est choquant. C'est une scène choquante. Maintenant, comment se fait-il que ces scènes-là s'est positionné là? Vous devez savoir que les gens font des scénarios, ils font des scènes et ils peuvent même reprendre plusieurs fois la même scène, histoire de voir que si c'est bon, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ça veut dire qu'eux, ils font exprès même pour pouvoir faire ça. Et ces gens-là s'attendent à ce que c'est des effets sur les gens qui vont regarder. Regardez un peu les jeux vidéo aujourd'hui. La plupart des jeux vidéo sont axés sur les armes. On tire sur les gens seulement. Bou, 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 à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bou, 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 bou. Ah! Vous pensez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. C'est parce que les images que nous voyons là se développent en nous après. Et ceux qui favorisent, qui aident au développement de ces images-là, ce sont même les démons-là. Eux, ils vont développer cela dans votre tête, dans votre pensée, pour que ça donne quelque chose plus tard. Ne vous étonnez plus qu'aujourd'hui, les gens se masturbent matin, midi et soir. Et les gens, même, ils essaient de dire non à la masturbation, ils ne peuvent plus, ils n'ont plus la force. Parce qu'il y a des choses à caractère sexuel, surtout dans la maison. Ça, c'est même facile. Cette fois-ci, quelques moyens, c'est juste une goutte d'eau dans la mer, quoi. De ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? On va aller au ciel, on dit ceux qui vont au ciel, ils sont même sains. Donc toi, tu es supposé être aussi sain, non? Mais il ne faut pas regarder les seins des femmes dans les clips, hein. Parce qu'on ne parle pas du même sein. Si tu regardes ça, tu vas recevoir des flèches dans tes yeux. Et le diable va commencer à travailler. Ça, ce sont les moyens les plus utilisés en ce moment. Les filles vont s'échanger les fesses et les seins aujourd'hui. Tout ça, c'est pour venir se prendre en photo sur les réseaux sociaux. Et ils nous disent, regardez-moi, Jean. Excusez-moi. Jean, regardez-moi. Venez me voir. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien? Pourquoi on paye souvent les millions à certains stars avec que les stars là viennent exposer leur nudité sur les affiches? Ou bien à la télévision, même lors des Super Bowl. Vous pensez que c'est pour rien? Faites attention, nous sommes en guerre
Et ça se matérialise par ça. Ça veut dire que dès à présent, dès que vous regarderez une chose, où que ce soit, et que vous constaterez qu'il y a une scène X là-dedans, une scène pornographique, méfiez-vous de la chose. Le diable n'est pas loin. Et il cherche à entrer dans vous. Ne vous laissez plus avoir. Nous sommes en formation, c'est donner des frères conseils. Abonnez-vous à la cloche, partagez cette vidéo à vos amis. Et dites-moi surtout votre expérience à la chose.